Ça joue du violon, là. Hein? Il y en a un petit qui joue du violon, là. Ça, c'est Joseph. Ça, des musiciens. Deux petits bouts de bois, puis il joue du violon. Mais il a fait un bon joueur de violon, par exemple. Quand on parlait d'une petite maison aussi, le petit canot. Oui. Ça, c'était... Il existe encore, le maudit petit canot. Il est là, il court le front. Il court le front, le petit canot. Mais c'est plus pareil comme c'était. Il y a des dehors noirs comme de la suie. Mais il y a eu des bonnes saisons de danse là-dedans. Puis ils ne faisaient pas plus de mal là-dedans que les salles paroissiales. Mais on a été prêchés un dimanche. J'étais assis en avant moi, dans l'église, puis il existe dans la paroisse un petit canot. Je me suis senti lever un. Ils ont là. Qu'est-ce qu'il disait dans son sermon? Ben, il avait commencé de même, je m'en rappelle encore. Il existe dans la paroisse un petit canot. Il y a de la place pour 25 personnes. Puis sont... Vous savez ce que mon mari a fait? Ils ont sorti de la galerie après la messe. Et il dit, hey les gars, je fais une veillée à soir au petit canot, venez, viendrez danser. Oh mon Dieu, ça y a des affaires pour que le curé saute de la tête. Mais ça faisait pas plus de mal, là, que... Il dansait pas le dardier à l'air, puis le assis. Non. Il dansait bien poliment. S'il voulait faire du mal, il avait pas besoin de rester dans le petit canot, il avait qu'à aller dans le champ. Là, c'était... Vous voyez du bois, là? Mais avant ça, c'était juste du beau champ de foin. Est-ce qu'il est allé revirer le curé au petit canot? Oui, il est venu virer une fois, puis il a canté dans le fossé. Hein. Puis là, c'est les gars du petit canot qui ont été de le relever, de sortir le char du fossé. Hein. Ça n'a pas dû plaire au curé. Il allait voir pour voir s'il allait frapper des coupes pour coucher dans le fossé, je suppose. Puis il s'est fait ça. Autre temps, si vous verrez ce qui se passe à cette heure,